Bonjour à tous, je suis avec Pierre Ménès. Salut Pierre. Salut Hervé. On va assister ensemble à un nouveau match du Real Madrid qui n'a malheureusement plus rien à espérer cette saison dans la course au titre. On sait que le Real ne sera pas champion d'Espagne cette année. Ouais, c'est sûr Hervé, le Real a perdu son pari au niveau national, mais comme il n'est pas encore éliminé en Ligue des Champions, on peut parier que les joueurs pensent déjà à leur prochaine échéance européenne. Et la meilleure façon de se remettre en selle, ce serait justement de prendre les 3 points aujourd'hui. Ouh, c'était moins une. Il a bien fait de passer par là, lui. Alors que le réalisateur vous propose la... Asensio ! Oh là, un petit peu ambitieuse, là, peut-être, la volée. Oui, tu vois, là, tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Ah, Diego Godin, qui ne s'embarrasse pas. Gareth Bale. Ah, il perd ce ballon. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Saoul, un joueur vraiment au profil intéressant. Ouais, pour l'anecdote, je dirais qu'il est passé du Real à l'Atlético dans sa jeunesse. Et ça, c'est pas commun. Gareth Bale, devenu une référence, hein, le meilleur joueur gallois, bien sûr. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a été critiqué lorsqu'il est arrivé au Real? Pourtant, il est rapide, il a une super frappe de balle et il est à droite devant le but. Et il est fragile. Pierre, on va revenir rapidement sur la déception qui a saisi les supporters du Real Madrid suite aux derniers résultats qui ont tout simplement coûté le titre à leur équipe. Oui, cette saison, c'est le Real qui sort perdant du duel à distance qu'il oppose traditionnellement au Barça ou à l'Atlético. Il s'est un peu écroulé dans la dernière ligne droite, faut bien. La frappe. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Thibaut Courtois. Ah, c'est pas le grand amour entre le public et lui, on dirait. Thomas. Ok. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Asensio. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Quand l'Atlético rencontre le Real, ça concerne bien sûr toute la ville de Madrid. Ouais, en championnat, c'est devenu très équilibré entre les deux équipes. En Champions League, en revanche, sauf exception, c'est quand même le Real qui prend à chaque fois le dessus sur son rival. Ouais, l'Atlético qui vient de buter 3 fois de suite contre le Real, 2 fois en finale et 1 fois en demi. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Bale, au centre de Gareth Bale, bien joué. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ouais, bel appel de balle. Et oui, le but pour l'Atlético. L'Atlético Madrid qui ouvre le score, qui prend peut-être une petite option sur ce derby madrilène. Ouais, c'est encore un peu tôt pour le dire. On va voir comment les équipes abordent la suite du match. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Thomas. Il est passé. Et le Costa qui tire. Oh, le but! Le but de l'Atlético Madrid qui prend le large face au Real. Ah ben, je ne sais pas comment les joueurs du Real ont abordé ce derby, mais c'est vraiment mal parti pour eux. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Casemiro. Alexander. Modric. Modric. Il ne paye pas de mine, hein. Il ne ressemble pas à grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Très grand, 1m74, il passe. Attention, ça peut faire but. Ouais, très joli but. D'abord, il y a cette belle circulation de balle. Après, le buteur est parfaitement lancé. Et il n'y a plus que le gardien à battre. Il n'a rien acheté dans cette action. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Rafael Varane. Hunter. Toni Kroos, le milieu de terrain offensif allemand qui petit à petit s'est construit une réputation. Oui, il est très médiatisé en Allemagne depuis qu'il a 16 ans en fait, et pourtant il n'a pas explosé en vol comme certains. Vous vous rendez compte, il a 26 ans,
Il a quand même déjà gagné la Coupe du Monde et la C1. Ouais, le Bayern, le Real, franchement, sa première moitié de carrière est exceptionnelle. Saoul. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, écoute, il fait de l'arbitre, il est en jeu. Interception. Allez. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin. C'est reparti pour 45 minutes avec un petit peu plus de suspense si possible. Ah oui, j'espère, parce que sinon c'est moins intéressant à suivre. Ballon pour Hunter. Il n'y a personne pour venir contrer Carvajal qui va s'engouffrer sur l'aile. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Sadio Ramos. Kroos. Modric. Luka Modric. Des qualités exceptionnelles hein, chez ce milieu de terrain. C'est vraiment le milieu comme on les aime, quoi. Joueur technique, polyvalent. C'est un de mes joueurs préférés. Exceptionnel de l'extérieur du pied, d'une grande clairvoyance. C'est un joueur sublime et très sous-coté à mon sens. Et ils obtiennent un coup franc. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Alors, est-ce qu'il va tenter sa chance? Parce que ça fait quand même super loin. Hein. Coquet. Ouh, il a failli trouver le cadre avec ce coup franc lointain. Ah, il devait se sentir en confiance pour tenter ça. Marcelo. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Oh oui, encore une bonne passe. Quelle première période il vient de nous faire. Ne me dites pas que vous n'avez pas aimé, Pierre, parce que là, je ne vous crois pas. Même vous. Il a marqué deux buts qui vont sans doute peser lourd dans la balance. L'entraîneur de l'équipe adverse va devoir trouver la solution, car on le sent bien en jambes. Modric. Alex Hunter. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Allez, les Madrilènes qui s'emparent du ballon. Casemiro. Modric. Modric. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Isco. Asensio. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Modric. Isco. Elle la voilà la frappe. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Never stop.